Alors salut, on se retrouve pour la dernière vidéo du défi des 100 vidéos, puisque j'ai fait un défi. Ce défi, c'était d'avoir 100 vidéos, de faire 100 vidéos. Donc c'était du, pas dire de bêtises, du 26 avril au, non, du 18 avril, pardon, au 26 juillet, 100 vidéos, une vidéo tous les jours. Et voilà, c'est la dernière vidéo. On est le 26 juillet, c'est la dernière vidéo de cette série. Cette série donc était destinée à préparer ensemble l'été, le Frozen Summer Fun, la fête givrée à Disneyland Paris, de vous aider à vous organiser. Et voilà, j'ai un petit peu, un petit peu d'émotion en faisant cette vidéo parce que c'était un challenge pour moi. Ah voilà, je vais pas la faire très longue, hein, je vais pas passer 10 minutes à vous raconter tout ça, mais voilà, c'était forcément, tous les jours c'était pas forcément évident de faire les vidéos. C'était il fallait les préparer, penser à ce que j'allais dire. Préparer ce que j'allais, enfin penser à avoir les idées des vidéos, penser à ce que j'allais dire dedans, ensuite les faire, les monter, etc. Donc ça a été, ça demandait pas mal de travail. En fait, finalement, je me suis aperçu que ça me demandait quasiment au final une heure par vidéo, voire des fois un petit peu plus. Donc après, sur la fin, évidemment, j'ai commencé à prendre le rythme. Sur le début, c'est un petit peu compliqué, mais voilà, donc je suis assez content. Voilà, j'ai réussi ce défi. Il y avait un deuxième défi qui était d'arriver à 300 abonnés. Voilà, 300 abonnés, ça n'a pas été atteint, même si sur la fin, honnêtement, sur le rythme d'abonnés qu'il y avait à la fin, parce que là on est environ à 135, sur le rythme d'abonnés qu'il y avait à la fin, ça aurait été possible peut-être si j'avais continué un mois de plus. Mais voilà, en tout cas, je suis très content. J'ai reçu énormément de mails, il y a beaucoup, beaucoup de gens maintenant qui suivent, qui suivent régulièrement la chaîne, donc ça me fait super plaisir. Donc qu'est-ce qui va se passer concrètement maintenant? On arrive au mois d'août, donc je vais prendre un petit mois de repos, en fait, jusque fin août. Donc alors il y aura des articles sur, pour l'instant il y aura des articles sur le blog, des articles écrits, il y aura aussi peut-être, alors je ne sais pas encore, des vidéos, mais ça sera un rythme beaucoup beaucoup moins soutenu, ça c'est certain. Ça c'est pour pendant le mois, c'est pendant le mois d'août. Et après à partir de fin août, je vais repartir sur un nouveau rythme, ça va être 2 vidéos par semaine et 1 article écrit par semaine. Ou alors 3 vidéos par semaine, ça dépendra des semaines, mais ça sera de 3 contenus par semaine. Alors pourquoi j'arrête de faire 7 vidéos par semaine? Tout simplement parce que je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de gens qui n'avaient pas le temps de voir toutes les vidéos. Parce que voilà, une vidéo par jour, c'est un rythme très très soutenu. Il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas le temps de voir toutes les vidéos. Et donc je pense tout simplement que faire 3 vidéos par semaine, 3 contenus par semaine, donc soit 2 vidéos, 1 article, soit 3 vidéos, c'est un rythme qui c'est un bon rythme. Et voilà, ça sera pas mal. Donc le nouveau challenge, ça va être de tenir ce rythme jusque Noël, puisque on va ensemble à partir de fin août préparer la saison d'Halloween et préparer Noël, préparer aussi les réveillons, tout ce qui va se passer, ça va être assez énorme. Il y a pas mal de choses à dire, ça va être assez différent de tout ce qui a été fait pendant la fête givrée, je me suis fixé un objectif encore une fois qui était d'atteindre 1000 abonnés pour la fin de l'année. Donc 1000 abonnés, donc c'est assez énorme comme objectif. Si j'y arrive, si on y arrive ensemble, parce qu'évidemment, je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des mails de soutien, d'encouragement, et vous avez été nombreux. J'ai été surpris par le nombre de gens qui m'ont envoyé des mails de soutien. Il y a aussi quelques personnes, beaucoup, beaucoup moins heureusement, qui m'ont envoyé des mails éventuellement d'insultes des fois, en me disant que ce que je faisais c'était nul. Mais au final je suis très content de faire ça et de partager ma passion, et je suis content qu'il y ait beaucoup beaucoup de gens qui m'aient envoyé tous ces mails de soutien en me disant que c'était en me disant qu'ils appréciaient ce que je faisais, et c'est le plus important. Donc la dernière vidéo des 100 vidéos, on reprend, donc ça va être un peu plus calme pendant le mois d'août, et on reprend de plus belle à partir de fin août début septembre pour préparer ensemble la saison de Noël et la saison d'Halloween et ensuite la saison de Noël. J'espère que vous avez apprécié toutes ces vidéos. On se retrouve très bientôt. Salut !